Bonjour et bienvenue à Moisson Montréal. Fondée en 1984, Moisson Montréal est considérée comme la plus grande banque alimentaire au Canada en termes de superficie et de quantité de denrées distribuées. Moisson Montréal est un organisme qui se dévoue au quotidien à la lutte contre la faim en poursuivant une mission à deux volets. Le premier est de récupérer des dons de denrées alimentaires afin de les redistribuer gratuitement à plus de 200 organismes communautaires à Montréal. Ces dons permettent à nos organismes accrédités d'offrir une aide alimentaire à près de 150 000 personnes à tous les mois. Notre deuxième grand objectif est d'offrir des solutions durables aux problèmes d'insécurité alimentaire. Notre programme Bonne boîte, bonne bouffe illustre bien cet objectif. Créé à Toronto en 2002, le programme Bonne boîte, bonne bouffe a été mis en place et est géré régionalement par Moisson Montréal. Bonne boîte, bonne bouffe propose à toutes les semaines des paniers de fruits et de légumes frais à prix très modique. Ces paniers sont distribués par le biais d'organismes locaux. Bonne boîte, bonne bouffe contribue ainsi au bien-être et à la santé des citoyens. Moisson Montréal reçoit quotidiennement des quantités importantes de dons en denrées périssables comme la viande, le lait, les fruits et les légumes, et non périssables comme les conserves, les pâtes sèches ou les céréales. Toutes ces denrées classifiées sont consommables mais non vendables, sont récupérées de producteurs locaux, de grossistes, de transformateurs et d'épiceries. C'est ainsi plus d'un million de kilos de denrées qui transigent par nos entrepôts à chaque mois, l'équivalent de 34 grands avions cargo remplis à pleine capacité. Lors de l'arrivée des denrées à Moisson Montréal, celles-ci sont inspectées par un spécialiste en hygiène et salubrité. Elles sont ensuite acheminées soit vers la distribution, l'entreposage ou vers une salle de tri. Le tri est parfois nécessaire afin d'obtenir la meilleure qualité disponible de produits aux organismes. Les bénévoles accueillis à Moisson Montréal travaillent principalement dans nos salles de tri ou auprès de l'équipe de Bonne boîte, bonne bouffe. Puisque le bénévolat se fait dans un contexte d'entrepôt, la connaissance de certaines règles de sécurité est primordiale. Premièrement, tous les bénévoles ou groupes de bénévoles se doivent d'avoir une carte d'accès pour accéder à l'entrepôt. À l'intérieur de l'entrepôt, le port de chaussures ou de bottes en bout d'acier est obligatoire. Ceci afin d'éviter les blessures. Si vous ne possédez pas de chaussures en bout d'acier, des embouts protecteurs à installer sur des chaussures fermées vous seront remis. Pour des raisons de sécurité, l'utilisation d'un téléphone cellulaire, d'un iPod ou lecteur MP3 est interdite dans l'entrepôt. Comme plusieurs chariots élévateurs et transpalettes sont en circulation dans l'entrepôt, nous vous prions de faire preuve de vigilance pendant tous vos déplacements. Il faut circuler à l'intérieur des couloirs délimités par des lignes jaunes et ce, partout dans l'entrepôt. Puisque vous serez appelé à manipuler des aliments, il est essentiel de laver vos mains avant de débuter les travaux en entrepôt, après les repas ou à tout autre moment jugé nécessaire. Vous devez aussi porter un tablier et des gants jetables. Vous devez les jeter et en prendre de nouveau dès que vous sortez des salles de tri, que ce soit pour la pause, le dîner ou autre raison. Il n'est pas permis de boire, manger ou fumer dans l'entrepôt. Des pauses pour la collation et le repas du midi sont prévues. Une aire extérieure, accessible par la cafétéria, est aménagée pour ceux qui désirent fumer. L'abri Tempo est le seul endroit autorisé à cet effet. En cas d'incendie ou pour toute autre urgence, il est essentiel de rester calme. En cas d'évacuation, veuillez repérer et emprunter la sortie d'urgence la plus proche, puis vous rendre à l'angle de la rue Hickmore et du chemin de côte de Liesse. Un responsable de Moisson Montréal vous y indiquera marche à suivre. Si une personne se blesse, veuillez faire appel aux secouristes de l'entrepôt. Seuls les secouristes sont autorisés à utiliser la trousse de premiers soins. Ces trousses ne contiennent aucun médicament et les secouristes ne sont pas autorisés à en administrer. Si vous effectuez une journée complète de bénévolat, Moisson Montréal vous offrira le repas sur l'heure du midi. Nous vous demandons d'éviter le gaspillage en prenant des portions adaptées à votre appétit. Aidez-nous à maintenir la cafétéria propre en déposant votre couvert sale dans les bacs à cet effet. Le café vous est offert toute la journée et une distributrice d'eau filtrée est située à l'entrée de la cafétéria. Cette dernière contient de l'eau froide et de l'eau chaude. Enfin, l'important est de vous amuser et de partager en toute sécurité. Notre personnel est à votre disposition pour toute question. Merci de votre engagement.